Je suis une jeune femme productrice, animatrice télé depuis 12 ans maintenant. J'ai la joie de collaborer avec plusieurs chaînes panafricaines comme Télé Sud, 13 TV, Africa et bien d'autres, en animant et en produisant des émissions et également en présentant pas mal d'événements, surtout de mode, dans toutes les grandes capitales comme Afrique Collection à Douala, le Syravision à Dakar. Plusieurs événements également au Mali, c'est une grande joie. Et puis en Europe, le gala de la Fondation de Disney Rock à Londres, les événements en Guadeloupe. Et ça a été un privilège de recevoir à Cotonou le prix de meilleure animatrice pour la mode. Donc ça fait pas mal d'années que je pratique ce métier et que vraiment on a à cœur de mettre en avant les créateurs locaux qui font un travail magnifique mais qui ne se sait pas assez à l'international. Donc c'est vraiment notre mission, l'émission que je produis Planète Mode. Bamako Fashion Week est une excellente initiative. C'est vrai que la mode malienne n'est pas assez connue. On pense, quand on pense mode malienne de l'extérieur, on pense boubou, on pense bogolan. Alors le boubou, c'est vrai, est fantastique, mais ce soir, les créateurs déjà qui exposent ont bien montré que c'est beaucoup plus varié que ça. Et qu'avec les différents tissus traités, fabriqués au Mali, bien sûr le bogolan, mais l'utilisation du basin et bien d'autres, des pannes tissées, on peut faire des choses magnifiques, traditionnelles et modernes. Et les créateurs maliens, vraiment chapeau. Et j'ai envie de dire aux jeunes, vraiment, si vous avez un rêve, et surtout que vous avez le talent pour votre rêve, parce que c'est pas tout de vouloir, il faut aussi pouvoir, accrochez-vous, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, moi ça fait 12 ans. Et il y a eu 5 ans, 6 ans de galère. Des fois même on se pose des questions. Mais vous vivez des voyages fantastiques. Vous rencontrez des gens qui ont eu des parcours de vie tellement forts. Et où chacun, que ce soit des stars du sport, que ce soit de la politique, que ce soit de la mode, ont connu aussi des difficultés. Mais ont réussi parce qu'ils ont tenu fort. Donc accrochez-vous, travaillez, étudiez. Ayez la foi aussi, c'est important. Et puis ça ira. Woo!